m'attendais à beaucoup de travail. Je n'ai pas été déçue là-dessus. À des sciences, à de la chimie. Je savais qu'il y avait de la chimie, de la physique, de la biologie. Mais je ne voyais pas trop en quoi ça consistait. Est-ce que ça ressemblerait au cours du lycée? Est-ce que ce serait complètement différent? Alors, en première année, nous étions 2400. Nous avions donc 337 places pour médecine, une centaine pour pharmacie, une trentaine pour le métier de sage-femme, 46 pour le métier de kiné. On avait aussi la possibilité de passer les concours de pédicurie, podologie. Il y avait à peu près 450 à 500 personnes qui avaient la possibilité de passer dans l'une de ces filières. Le métier de médecin, ça attire parce que ça veut dire soigner les autres, ça veut dire aider les autres. Il y en a aussi qui veulent y aller pour le prestige, parce que faire médecin, ça en impose. Il y a un salaire qui est conséquent, mais en général, je pense surtout que pour la majorité des personnes, c'est la relation à l'autre et le fait de pouvoir l'aider qui attire. Je sais que j'aurai des moments difficiles. J'ai vu le métier à la fin, j'ai vu ce qui m'attendait à la fin. La PACES, ce n'est qu'une étape, c'est un moment à passer. Il faut savoir qu'il y a le stress, l'anxiété quand même qui guette. On a toujours peur de ne pas être dans le numerus clausus, de ne pas être assez bon, que les autres soient plus forts, de ne pas retenir. Et ça fait peur, mais on essaie de mettre ça de côté. Faut savoir qu'on travaille du matin au soir, mais ça ne veut pas dire travailler la nuit, ça ne veut pas dire ne prendre aucune pause. Donc je vous le dis, pendant la PACES, on peut voir ses amis, on peut se prévoir des soirées pour aller au cinéma ou juste pour regarder la télévision. Non, c'est faux. En médecine, on va aussi avoir d'autres matières qui nécessitent plus de réflexion. Je ne pense pas que ce soit impossible, vu que certaines personnes y arrivent, mais faut dire que ça peut être difficile. Ça peut être difficile si vous avez du mal à trouver votre rythme, si vous avez beaucoup de stress qui peut vous empêcher de dormir ou de vous mettre au travail. Il y a des blocages quand même à surmonter, il y a des difficultés à surmonter.